Hey les chanceux Utisnan, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui les potos, ce qu'on va faire c'est que je vais aller voir mon fils. Donc il m'a dit que depuis tout à l'heure lorsqu'il rentrait à la maison, bah hier il y avait un mec qui faisait que de lui suivre. Alors je sais pas du tout qui c'est, peut-être que c'est le Cosmos, on sait pas du tout. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez si il se fait kidnapper ou pas, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. C'est très important les potos, comme ça vous regarderez en premier lorsque je sortirai mes vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Donc on se donnera un objectif de 2500 pouces bleus. Je sais que c'est faisable, donc faites-le les potos. Et bien entendu dans ma description il y aura mes réseaux sociaux, mon serveur Discord ainsi que mes chaînes secondaires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup c'est parti, let's go. Hop hop hop, voilà. Alors ici il y a ma maison. What? Alors les portes sont vertes, alors je sais pas pourquoi. Du coup voilà, faudrait déjà les fermer. Comme ça il y a personne qui rentre, voilà. Ok. Oh salut, salut Tommy. Salut papa! Tu vas bien? Attends, je peux faire une intro pour les abonnés? Ouais, vas-y, ça te fait plaisir, mais pas plus de 5 secondes. Ok? Pas plus de 5 secondes. Surtout, surtout. Abonnez-vous! Oui! Voilà, likez en bas cette vidéo, rejoignez le Discord de mon papa. Voilà, c'est bon, c'est bon. Surtout. On est un sponsor. Et voilà. Waouh, alors toi tu fais vraiment des voix bizarres, je sais pas du tout comment tu fais ça. T'as un super pouvoir, Tommy? Ouais, ouais, regarde. Là, par exemple, je peux faire genre... Je suis Thanos. Waouh, tu fais peur. Bon, oui, oui. Du coup, Tommy, justement, t'étais en train de me dire comme quoi, genre, quand tu rentrais à la maison, il y avait quelqu'un qui te suivait. Genre, est-ce que tu sais à quoi il ressemble ou pas? De quoi j'ai pas compris? Mais genre, tu sais, tu m'as dit, genre, tout à l'heure, en rentrant à la maison, genre, il y avait un mec qui faisait que de te suivre. Genre, je sais pas, et genre, il te paraissait bizarre oh, et ouais, tout. Ouais, lui, en gros, tu vois, il avait une tête de robot, alors c'était quoi? Voilà, et en fait, tu vois, il a commencé à me suivre et tout, il était habillé, un peu mal habillé, il m'a suivi, après j'ai détalé comme ça, il a pas eu le temps de me rattraper, sauf après il a fait de la magie noire, il s'est téléporté devant moi, et quand je suis arrivé devant la maison, il s'est barré parce qu'il savait que t'étais Cheeseman. Voilà. D'accord, ok, alors, du coup, apparemment, ce serait un grand monsieur qui voudrait, je pense qu'il voudrait te kidnapper, non? Alors, je sais pas, bon, en tout cas, je vais rien dire à Tommy, mais je vois qu'il a eu peur. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment protéger mon fils, parce que voilà, j'ai pas envie que mon fils se fasse capturer, voilà, c'est... voilà, du coup, mon fils, tu veux un petit truc à manger ou pas? Alors, moi, ce que je veux, c'est un Cheeseman avec... Alors, non, tu sais quoi, je vais faire une commande, c'est un peu spécial. Tu me prends... Un double Cheeseman. Et tu mets la sauce algérienne, voilà. Et tu mets une grande canette de... Fanta orange. Voilà. Ok, ok. Alors ici, on n'est pas vraiment au McDo. Donc, faudrait vraiment que tu me demandes des trucs, bah... fais-moi un poulet rôti comme ça. Bah voilà, bah, t'as déjà un poulet rôti dans la main. Pourquoi tu me demandes un poulet rôti? Wesh, 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 wesh. Il est pas bon celui-là, il est dégueulasse. Mais tu l'as récupéré où? Il est pas bon. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Enfin, le supermarché des poubelles, quoi. Ok, 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 bon, bah ça marche, attends, je vais te faire ça tout de suite. Alors, attends, hop, bon, je vais lui passer la même chose, parce que, vraiment, je vais pas vous mentir, mais j'ai la flemme de faire du poulet rôti, donc je vais lui passer la même chose, je sais pas s'il va s'en rendre compte. Voilà, tiens, c'est bon, j'ai préparé ton poulet rôti. Tiens, voilà. Ah, ok, j'arrive. Il est bien épicé, t'inquiète, il est bien fait et tout, t'inquiète pas. Mais c'est le même que dans les poubelles. Non, mais non. Petit. Ma gueule. C'est exactement le même goût, je l'ai goûté. Non, pas du tout. Il y a la petite tache de sang que j'ai laissée dessus, elle est encore là. Viens là. Ah, c'est bon, je rigole, c'est bon, je suis désolé, mais... Voilà, regarde, ah, regarde là, t'as une pomme de terre. Par contre, elle est un peu périmée, je sais pas si tu manges les trucs périmés. Regarde, c'est comme ça, c'est dégueulasse. Ah non, t'aimes pas. Jette à la poubelle. Ok, bon, bah, on va jeter ça à la poubelle, hop. Non, non, par contre, tu vas te calmer, Tommy, hein. Si tu commences à parler comme ça à ton père, tu vas y aller vite au coin, hein. Oh non. Alors, calme-toi. Ouais, mais arrête de faire des bruits bizarres, franchement, je te jure, t'es en train de me faire peur, hein. Mais je sais pas du tout ce qui arrive à mon fils, mais il fait peur parfois. Mais c'est pour me défendre contre les gens qui m'attaquent. Comme ça, je leur fais peur et ils se cassent. Ouais. Du coup, est-ce que t'as des armes de poing sur toi? Enfin, tu sais, genre une épée ou un pistolet, un truc dans le genre sur toi, là. Parce que, tu sais, on sait jamais s'il y a le grand monsieur, là, qui revient à la maison, qui essaie de te kidnapper et tout. Oui, j'ai une arme.
Ah ouais, t'as une arme. Ok, super. Bah vas-y, viens, suis-moi. Suis-moi, hop, hop. Alors, on va juste vérifier si les portes sont bien fermées. Hop. Waouh. Alors, attends, ici, il n'y a vraiment pas de porte. Alors, attends, je vais casser cette porte et je vais la mettre ici. Parce que là, si on ferme pas la maison, bah c'est normal que les gens rentrent directement à l'intérieur. What? Hop, voilà. Du coup, j'ai réussi à placer les portes, les poteaux. Voilà, j'ai fait une petite coupure. Du coup, Tommy? Oui, je suis là, papa. Ah, voilà. Ah, bah voilà, c'est... Oh, t'as une épée en diamant en plus. Ouais, regarde, je peux lui défoncer. Ah non, mais pas moi, pas moi, arrête, arrête, j'ai plus de cœur. Oh, mais t'es sérieux là? Tiens, prends un verre d'eau. Non, non, attends, c'est une espèce de connerie. Verre d'eau poison. Ouais, ouais, bien sûr, tiens, prends-le toi-même, tiens, dans la gueule. Allez, viens, vas-y, monte. Voilà, on me troll pas, moi. Allez, monte. Ouch. Ok, du coup on va dormir ici, hop, voilà, tu vas dormir avec moi. Du coup voilà, regarde, je t'ai préparé un petit lit, comme ça tu pourras dodo ici. Ça te va? Ah, oh, il est dur le matelas. Bah après t'es obligé, hein, parce que genre je veux que tu restes... Il a l'air super bien ce lit. Non, 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 ça c'est mon lit, toi mets-toi de côté. Ensemble. Non, t'inquiète, ça ira. Toi, voilà, tu dors ici, et je te souhaite une très bonne sieste, voilà, on se dit à une heure. Ok, bah... Ah, tout à l'heure, quoi. À une heure. Ouais, tout à l'heure. Allez, du coup, je vais dormir. Allez. Dis-moi. Quoi? C'est quoi ce bruit? What? What? Mais what? Il est passé où? Tommy? Mais... Tommy? What? C'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? Tommy? Oh, les vitres, ils sont cassées. Oh, j'arrive. Wow, attendez. Oh putain. Il s'est fait kidnapper. J'arrive. J'arrive, Tommy, j'arrive. Wow, Tommy? Il est passé où, Tommy? Oh, oh non. Wouah, putain. Je pense que c'est le monsieur qui suivait Tommy. Oh, Tommy, t'es ici? Oh non. Oh, attendez, les potos, c'est chaud là. Il y a mon fils Tommy qui s'est fait capturer. Wouah. Attendez, je reçois un appel. C'est quoi ça? Appel inconnu? Allô? Allô? Oui, c'est qui? Ah, je sais pas c'est qui. C'est ton fils. Mon fils? Attends. You. C'est vous le kidnappeur? Ah, peut-être. Non mais, vous l'avez ramené où, là? Vous l'avez ramené où? Il me faut déjà 10 000 euros. Après, t'auras la réponse. 10 000 euros? Oh, non! Mais j'ai pas 10 000 euros dans mon compte. Ah, tu te débrouilles. Aide-moi, oh, papa, il me séquestre! J'arrive, t'inquiète, Tommy, Ok, tu. Oh putain, Tommy se fait frapper! Bouge pas. Ouais, ok, arrêtez de lui faire du mal, j'arrive dans. Je vais essayer de préparer ça vite et je vous rappelle. Il y a une banque, hein, pas loin, j'ai regardé, hein. Oui, ok, ça marche. Bon, du coup, les potos, là, je viens de raccrocher, et là, comme vous avez pu l'entendre, il y a Tommy qui s'est fait capturer par un kidnappeur, et il me demande une rançon de 10 000 euros, les potos. Bon, j'ai vraiment pas ça dans mon compte, il faut que j'aille faire un prêt. Donc, les potos, si vous voulez que Tommy revienne dans ma maison, que vous voulez, si vous voulez que je libère et tout, bah, cliquez sur le bouton rejoindre, prenez un petit sponsor, et comme ça, voilà, ça permettra de payer les 10 000 euros. Du coup, là, je vais me diriger directement vers la banque. Je vais essayer de faire un prêt, je sais pas si un prêt de 10 000 euros c'est possible. Alors attendez, hop, j'allais voir. Alors je pense que c'est ici la banque, ouais, c'est ici. Ouais, ça doit être ici. Alors hop. Ok, ici on a plusieurs coffres, je vais voir s'il y aurait pas de la thune ici. Hop, alors je vais voir dans le coffre. Ok, c'est bon. Ok, bon, bah je pense que ça équivaut vraiment à 10 000 euros. Donc je pense que ça passera carrément. Voilà, du coup les potos, je me demanderais s'il faudrait pas que j'appelle la police. Alors attendez, bon bah du coup je vais déjà attendre l'appel du kidnappeur parce que là je viens de récupérer la thune. Bon, j'ai fait vraiment très vite parce que j'ai pas envie que mon fils se fasse tabasser et tout. Voilà, j'ai pas vraiment envie qu'il se fasse séquestrer parce que vous imaginez s'il rentre mort. Voilà, franchement ça me ferait énormément mal au cœur. Voilà, du coup je rattends son appel. Hop. Ah bah je pense qu'il m'appelle. Allô? Allô? Oui, du coup, là, c'est bon, j'ai récupéré les 10 000 euros. Par contre, vous avez rien fait à mon fils, j'espère.
Vite fait les joues rouges, hein, mais... Quoi? Non mais vous êtes sérieux là? Non mais vous lui avez pas fait du mal? Oh, non mais arrêtez, ne vous inquiétez pas, j'ai vos 10 000 euros. Faudrait que je me rende où là? Du coup, faudrait que je vienne où et à quelle heure? Ce soir, 20h à la plage. 20h à la plage, d'accord. Ok. Sans policier, hein. Policier, rien. D'accord, ça marche. Ok. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai pas appelé la police, vous pouvez me faire confiance. Ouais, la confiance, ça règne pas, hein. Ouais. Bah, du coup, on se dit ce soir à quelle heure déjà? Ce soir à. 20h, ok. Par contre, vous faites vraiment aucun mal à mon fils, hein. Tu lui dis de fermer sa bouche. Oui, ok, ça marche. Mais je peux pas venir là tout de suite parce que j'ai déjà les 10 000 euros, je peux vous le passer tout de suite. Tout de suite. Ce soir, 20h. Sinon, je le tue. Ok, ça marche, ok. Ce soir, 20h sur la plage, j'y serai, ne vous inquiétez pas. Ok? Ok, par contre, n'oubliez pas, hein, ne faites rien à mon fils, hein, parce que si jamais il a quelque chose, je vous jure que je vous tuerai. Ah non, je crois que c'est l'inverse, mais bon. Ok, bon, on se dit à ce soir. Vas-y, attends, vas-y. Bon, du coup, les potos, là, comme vous avez pu l'entendre, il y a le kidnappeur qui m'a dit de venir à la plage à 20h. Donc là, je vais aller vérifier s'il serait pas déjà à la plage, parce que s'il serait déjà à la plage, j'essaierais de libérer mon fils sans lui passer de l'argent, parce que voilà, c'est quand même 10 000 euros. Mais après, je vais pas vous mentir que la vie de mon fils est plus importante que ces 10 000 euros, hein, voilà. Du coup, si jamais je perds ces 10 000 euros, je m'en fous totalement. Franchement, je préfère la vie de mon fils que cet argent. Voilà, mais je vais juste quand même vérifier au cas où. Hop. Alors par contre, comme il m'a dit, si j'appelle la police, il risque de tuer mon fils. Voilà, j'ai vraiment pas envie de prendre de risque. Ok, je vais juste voir. Ok. Bon bah ils sont pas là. Voilà, du coup je vais attendre ici dans cette plage. On va attendre qu'il fasse nuit et on se dit à tout à l'heure les potos. Du coup les potos, il est actuellement 19h58. Donc normalement d'ici quelques minutes, il y aura sûrement le kidnappeur et mon fils. Donc là pour l'instant je le... Ah, attendez, il y a quelqu'un là-bas. Je sais pas si c'est lui. Alors, je crois que c'est le kidnappeur. Ah, je crois que c'est lui. Oh, Tommy. J'ai entendu la voix de mon papa. Oui. Cours pas. Mais si. Non, arrête. J'ai votre argent. Ah, regardez, elle est là, votre argent. Regardez, elle est là. Laissez-le. Non. Arrêtez. Recule, Tommy. Espèce de taré, va. Vas-y, casse-tu la gueule. Ok, tenez l'argent. Voici les 10 000 euros. Voilà. Maintenant, laissez mon fils. On se casse, vite, on se casse. Allez, papa. Bouge de là. Au revoir. Allez, vas-y, dégage. Vas-y, viens. Non, mais Tommy, reviens ici. Mais arrête de partir avec lui. Viens ici. Eh, mais t'es vraiment teubé. Vas-y, viens ici. Tu veux encore 10 000 euros? Non, c'est bon, ça ira. Ça ira, ça ira. Vas-y, barrez-vous. Ouais. Eh, mais t'es trop bête. Pourquoi tu repars avec lui là? T'es bête ou bête? Bah, c'était pas ça qui. Hein? Pourquoi tu t'es redirigé vers lui là? Tu voulais qu'il te ramène ou quoi? C'est comme ça, c'est tout. Enfin, ouais, mais. Mais évite de faire n'importe quoi parce que là, j'ai pas beaucoup d'argent, tu sais, dans mon compte. Ok. Ouais, bon, voilà. Wesh, c'était quoi ce bruit? Ok. Bon, vas-y, viens rentrer à la maison, viens vite. Oui. Cette fois-ci, je vais mieux te protéger, ne t'inquiète pas. Reste bien derrière moi. Wesh, t'es passé où? Ok. Non, mais attends, reste avec moi. Arrête de faire le débile. Okay. Après, il y a encore quelqu'un qui va te kidnapper, moi, j'aurai pas d'argent. Et après, il va te tuer, donc fais attention. Voilà, c'est vas-y. Ta faute si j'étais kidnappé. Non, c'est pas de ma faute. Toi, je sais pas ce que t'étais en train de faire, t'aurais pu crier à l'aide, je sais pas pourquoi tu criais pas. Il m'a ligoté la bouche. Ah, mais moi j'étais bien en train de dormir, j'avais pas entendu. Mauvais papa, je t'aime. Non, mais arrête de dire ça. Je te jure, j'étais vraiment en train de dormir. Ah, arrête, je suis désolé. Je veux pas te parler, on rentre à la maison, je te parle pas. Oh, mon fils, je pense qu'il est vraiment énervé vu que j'ai pas pu l'aider. Bon, en tout cas. J'ai réussi à le sauver, donc voilà. De toute façon, là c'est bon, il reste sain et sauf. Voilà, va faire ton pipi, va faire tes besoins et tout. Voilà. Bon, bref, du coup, les potos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu avant de partir, de cliquer sur le bouton rejoindre pour être sponsor à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, les potos, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'ai ouvert mon propre serveur Minecraft. Voilà. Du coup, dans la description, il y aura le lien qui permettra de rejoindre mon serveur. On pourra jouer ensemble, il n'y a vraiment pas de soucis. On se dit à demain. À 10h.